gueule. Stop. J'arrive. Ah, c'est toi. Ah, eh bien, entre. Oh, ben comme t'es belle. Ah, tu trouves? Oh. Ah, ben merci, Mireille. Oh, ben écoute, je fais ce que je peux, hein, j'essaye de rester dans le coup, comme on dit. Hein. Ben, tu sais, je regarde les reines du shopping. Ben, Christina, elle donne de bons conseils quand même. Hein. Si, si, elle donne de bons conseils. Hein. Si, si. Mais, oh, mais dis-moi, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Bon, ça va pas fort, pas fort. Bon, je vais faire ma pause syndicale. Ah, ben, attends. Je vais faire ma pause syndicale de suite. Oh là là, tu sais, toujours mon dos, mes rhumatismes. Ah bon, mais parce que finalement, tu les as gardés. Bah tu sais qu'est-ce qu'on dit. Ah bah quand même, de rhumatisme égale optimisme. Ah bah ça commence fort. Oh, oh, oh. Mais dis-moi, ça oui. Fait une peine qu'on s'est pas vu, nous. Ça c'est vrai. Tu travailles toujours à l'école maternelle de ton quartier? Eh oui, toujours. Et même que j'ai eu une promotion, figure-toi. Oui. Je ne sers plus les pitchounes à la cantine. Je sers monsieur le directeur dans son bureau. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, wow. Belle promo, effectivement. Ah, oui. Et ça te plaît? Ah bah oui que ça me plaît. Ah bah tu sais que j'apprends plein de choses. Je me cultive. Oh, bravo. Et quel genre de culture? La servisothérapie? Bon, oh, bah c'est ça, fous-toi de ma poire. D'abord, la servisothérapie machin, là, comme tu dis, ça n'existe même pas. Bien sûr que non. Le petit Robert l'a pas encore inventé, c'est un mot à moi. Pourquoi tu parles de Robert, là, qui... Oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh. Oui, on va tout ça, hein. Toujours plus maligne que les autres, toi. Hein. On le sait que madame a fait de grandes études, hein. Ah là là. C'est ça. On n'est pas du même milieu. Non, on n'est pas du même milieu. On n'a pas la même éducation. Oh, ouais. Mais c'est pas l'éducation qui compte, hein. Ah. Non, 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 non. Tu sais, moi aussi, j'ai fait les grandes études. J'ai été jusqu'au certificat d'études avec mention. Ah. Ah, c'est bien. On peut aller plus loin. Hein. Ah, bah je comprends maintenant pourquoi tu t'exprimes aussi bien. Et tu vois, ça ne m'empêche pas de fréquenter n'importe qui. Ouais, dis donc, c'est pour moi que tu dis ça. Mais non, toi, t'es mon ami. Mais ah, t'es oui, mon ami. Et pour te le prouver, je vais te faire une confession. Oui, ah, vas-y. Eh bien, moi aussi, j'ai obtenu une promo. C'est oui, vrai. Oui, oui, oui. Oh, raconte. Eh bien, je fais le repassage chez nous au lieu de le faire chez les autres. C'est pas bien, ça? Hé, hey, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, oui, quand même, et c'est mieux. Bon, c'est pas très passionnant, hein. C'est même lassant. Bon, je suis crevée. J'ai plus envie de rien. Je crois que je fais une flémite aiguë. Ou alors, une atrophie du cerveau multisystématisée. Ah ben, quand je te dis que tu es savante, toi. Hein. Mais tu sais que tu aurais pu faire médecine. Ou te lancer dans la recherche, même. Oh, c'est drôle ce que tu dis là. Ben, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Bon, de toute façon, maintenant... C'est trop tard, hein. Bon, bah ça c'est vrai. Tiens. Oh, pour parler d'autre chose, tu sais que hier soir, oh là là, j'ai un peu forcé sur les bulles. Mon Dieu, résultat des courses ce matin, j'ai une névralgie capillaire. L'estase bacchanale qui part en goguette, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là. Oh bah oui, je vois, oui, oui, je vois. T'as mal aux cheveux, quoi. Oh. Mais dis-moi, quand tu veux. Toi aussi, t'as du vocabulaire. Oh, ça m'a échappé. Une lueur d'intelligence due à l'alcool, certainement. Bon, eh bien, mais sur un autre sujet. Oui. Tu as vu Chantal ces temps-ci, toi? Non. La pauvre, elle est complètement fracassée. Mais qu'est-ce qui lui arrive? André oppose. Pas possible. À son âge? Mais il n'y a pas d'âge pour faire une pause d'André. Il est tellement abruti. Ça fait des années qu'elle aurait dû la faire, son André pause. Prendre quelques vacances. Moi, je ne sais pas, respirer autre chose que son odeur de toilette bon marché, style Airwick WC. Ah ben ça, pour l'eau de toilette, je te suis. Hein. Mon Dieu, qu'il emboucane, celui-là. Oh là là.
Oh, et puis alors, il faut dire que le André, il a beaucoup forcé hein, les derniers mois, là. Hein. Oh, il doit faire une baleinite profonde, ça, c'est sûr. Ouais, voire de l'hippopotamisme. Moi, enfin, le André, il me fait plutôt... Ouais, il a plutôt tendance à me faire de la burnite. Un vrai casse-bonbon. Pourquoi tu parles de bonbon? Bah, c'est pas possible, tu ne comprends pas. Faut peut-être te faire un dessin. Les bonbons... Bah les bonbons quoi. Là, les choses de la vie si tu préfères. Ah oui. Tu payes, hein? Oui, je crois que je capte. Oh et puis alors, pour ce qui est de André, c'est vrai que je te suis. Hein. Mais c'est vrai que quand je te regarde, tu n'as pas l'air bien. Tu as le visage couvert de boutons. Ouais, j'ai découvert ça au réveil. Bah je suis défigurée. Une éruption volcanique sur le visage. Le Vésuve ou l'Etna? Oh bah carrément. Ouais. Oh bah tu m'égottes pas toi. Hein. Non mais sérieusement, piqûre de moustique. Mais non. Acné. Du sommeil. Mais ça pourrait être pire. Oh la vache quand même. Et oui ma Simone, ça pourrait être pire. Tu sais à nos âges, on s'attend plutôt à de la glandistrophie, à pectus carabinus. Ou même un hyper-mégalovirus. Oh, arrête, tu me fais peur. Oh mon Dieu, c'est tout l'effet que ça te fait à toi. Oh ben ça c'est bien toi. Jamais tu râles, jamais tu te plains, toujours contente de ton sort. Oh tu sais, il y a longtemps que je suis vaccinée contre le gnagnanisme, moi. Mmh. Ben moi, tout d'un coup je me sens pas bien là. J'ai mal au ventre. Ah, ça gargouille là-dedans, je crois que je vais te laisser. Je dois faire une gastro foudroyante. Une quoi? Une gastro foudroyante. Le bassin qui déborde, si tu préfères. Ah, je vois. Et il m'est arrivé la même chose le mois dernier. Eh bien, du coup, je te retiens pas davantage. Je sais ce que c'est que d'avoir le garde-manger tout boulingué, moi. Oui, bah, quand on emploie des termes techniques, moi, je comprends plus rien. Mais comment je comprends pas, mais moi non plus. Mais tu veux pas rentrer chez toi plutôt? Non, mais j'ai pas le temps, là. Je peux utiliser tes toilettes. Ben rentre chez toi. Non, mais pas le temps. Bon, ben, ouh, ferme bien la porte et puis ne retapisse pas les murs, ils ont tiré pas le mois dernier. Mais dis-moi, c'est Simone que j'ai entendu ou je rêve? Bonjour, ma petite Gisèle. Oui, c'est Simone. Tu sais quoi? Elle est au bord du débordement. Bonjour, Mireille. Bonjour. Mais quel débordement? De quoi tu parles? Bah, si tu préfères, elle a la boîte à ouvrage qui va exploser. La boîte à ouvrage? Sois plus clair, je ne comprends pas. Bah, en gros, elle a une gastro foudroyante et elle est partie sur le trône. Voilà, c'est plus clair comme ça? Oh là là là, effectivement. Bah oui, là, je comprends mieux. Oh, la pauvre! Tu penses qu'elle en a pour longtemps? Mais longtemps, quoi? À trôner. Et à mon avis, c'est mal borré. Hein. C'est foutu pour la matinée. Et le trône va rester vacant un bon moment, si tu vois ce que je veux dire. Bon. Et sur un autre sujet? Oui. Quelles sont tes occupations du moment? Figure-toi que je me suis inscrite dans un centre de fitness. Oui. Avec Psy, Sona, Hammam, Jacuzzi. J'ai décidé de perdre un petit peu de poids. Bon, seul problème, il a fallu que je pense à un abonnement de 4 ans. Oh, quand même. Mais c'est long. Mais tu veux perdre combien? 4 kilos. Oh, 1 kilo par an? Eh ben, va pas falloir y aller trop souvent, dis-moi. Ça, bon, facile à dire, hein, pour toi. T'es épaisse comme l'arête d'une sole. Bon, à part ça, ton fils Jackie, toujours avec son amie Brigitte? Eh oui, toujours. Je ne sais pas ce qu'il lui trouve, parce qu'elle a la gueule aussi sympathique qu'une taulière. Et c'est pas le sourire qui va l'arrider, ah ça non. Hein. Ça c'est sûr. Quand je pense qu'à 18 ans, il aurait fait l'amour à un balai breton et que maintenant il s'est retrouvé avec un cajou. Ah, quel gâchis. En même temps,
toute une brève aventure. Oui, j'espère. Oh, ouf. Ah, ça va mieux. Oh mon Dieu, j'ai failli faire un malaise vaginal tellement la douleur était grande. Un quoi? Un malaise vaginal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu plaisantes! Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui plaisante et je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à faire un malaise vaginal, hein? Mais c'est pas un malaise vaginal que tu aurais pu faire. Ah bon? Ben non, un malaise vagal, enfin. Oui, oh ben, vaginal, vagal, tout ça, c'est la même chose. C'est une question de prononciation. Bon. Ok, d'accord, laisse tomber. Et le principal, c'est que tu te sens mieux. Voilà. Eh bien, pendant que tu trônais, oui. Eh bien, Gisèle est arrivée. Voilà. Et nous parlions de mon fils Jackie et sa nouvelle copine. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, le pauvre, j'espère que ça n'est qu'une passade. Quand je pense à tous les tickets qu'il avait avec toutes les gonzesses du quartier quand il était jeune. Ah, parce qu'il est beau, son fils. Oh, il est beau, son... Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Ah, ça, tu l'as pas loupé. Et aujourd'hui, il se retrouve avec cette Brigitte, une vraie cagole. Jamais je l'ai vue sourire. Et pourtant, vous savez qu'est-ce qu'on dit. Mais tu sais bien qu'est-ce qu'on dit. Ben non, toi non plus, tu sais. Ben, un sourire. Ça coûte moins cher que l'électricité, ça éclaire tout autant. Et la Brigitte, c'est vraiment sombre dimanche. Oui. Wow! Eh bien, tu fais fort, la Simone. Tu poétises. Et veux-tu un remontant? Oh non, c'est pas, ça va, j'ai pas fait exprès. Par contre, c'est vrai que j'ai un chat dans le gosier. Je veux, tu n'as pas quelque chose pour me l'hydrater, là? Un petit... Vu ton haleine, ma chérie, t'as aussi avalé la litière. Peut-être un petit verre d'eau. De l'eau? Non, mais ça va pas, non. Est-ce que j'ai une tête à boire de l'eau, moi? Hein, franchement, non. Mais tu veux que je rouille? Elle veut que je rouille, hein. Donne-moi plutôt un verre de cognac. À cette heure? Oh, bah, y a pas d'heure pour se faire plaisir. Bon, et si tu veux parler de ton mari, là? Hein? Jean-François? Oui! Oh, bah, Jean-François, toujours égal à lui-même, tu sais. Il rentre bourré du travail un soir sur deux. Tiens, pas plus tard qu'hier au soir. J'y dis comme ça. Tu es encore ivre. Comment tu peux me regarder en face? Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Tu sais qu'est-ce qu'il me... Il me répond comme ça. Du tac au tac, il n'y a que comme ça que j'y arrive. Ah, mais quel mûche, ton Jean-François! Oh, mais comment tu fais pour le supporter? Oh, moi, je ne pourrais pas. Genre, un homme grossier, je ne peux pas, mais alors, un homme qui boit, encore moins. Oh, bah, tu sais, ma pauvre. Non, les hommes qui boivent, j'ai pas le choix, hein, finalement. Je suis bien obligée de faire avec. Et puis, quand je réfléchis bien, mes meilleures rencontres amoureuses, je les ai faites la nuit du Beaujolais. Alors comme ça, tu trompes Jean-François? Oh bah de temps en temps, il faut bien, pour passer le temps. Ah bah quand même, t'as des drôles d'idées, toi. Hein? Ah ouais, non, mais ce qu'il me faudrait, quand je réfléchis bien, parce que je réfléchis, il me faudrait un homme intelligent, loyal, fidèle, beau aussi, hein, tant qu'à faire, hein, ouais. Et mais surtout, alors, mais qui m'écoute. Mais qui m'écoute quand je parle. Eh ben, tu vois, moi, j'ai ce qu'il te faut, je sais. Tu n'as qu'à prendre un chien. Oh, c'est fidèle. Oh, qu'elle est drôle. Bon, hey, les filles, c'est pas que je m'ennuie, parce que... Nos conversations sont si intéressantes. Mais je viens passer chez Fauchon. Enfin, Lidl. Faut que je fasse quelques emplettes avant de rentrer. Manuel m'attend à la maison. Alors, bye. Oh, Gisèle. Partez. Ah, la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, bah, j'ai jamais senti ça de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je savais même pas que ça existait comme odeur. Mais quoi? Oh là là, c'est ça. Oh.
Vous partez, mais c'est moi qui vous fais partir peut-être. Non, 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 je suis en retard. Je suis en retard, Manuel m'attend. Au revoir. Ben alors, filez vite, filez vite. Oh, normal, c'est dommage. Tiens, bonjour Simone. Ah, Didier. Tu vas bien? Bonjour Mimi. Toujours la même, il n'y a pas de problème. Alors, vous cassiez du sucre sur le dos de qui, toutes les trois, là? Ben, nous, nous ne cassions du sucre sur d'autres personnes. Nous parlions de nos problèmes féminins. Voilà. Mais, et toi? Moi? D'où viens-tu? D'où je viens? Il est très tôt encore, là. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, il n'y avait plus rien à faire au bureau. Je tournais en rond depuis un moment, alors ben, ça m'a permis aussi de regarder les autres. Eh ben, c'est fou ce qu'on est cerné, même, je dirais, encerclé, que par des abrutis. Et en fait, je me disais en moi-même, parce que ça m'arrive, je disais que si on mettait un point rouge sur le front de tous ces pignouf, eh ben, la société ressemblerait à un champ de coquelicots. C'est beau, Simone. C'est beau. Vraiment, là, tu as bu. Moi, boire, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Figure-toi que on a fêté le départ à la retraite de Bernard. Tu sais, Bernard, celui qui pue des pieds. Alors, non, mais on était neuf. On était neuf. Alors, chacun en a payé sa tournée, c'est normal. On a bu peut-être un verre, peut-être deux. Pas plus. Après, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il était content, le verre, hein? Il était content, le verre. Et ben, nous aussi, finalement, on était bien contents parce que, chut, il a dégagé. Fini les odeurs. Ah oui, c'était bien. Mais quand tu dis que vous étiez neuf et chacun sa tournée, ben si je me trompe pas, ça fait bien neuf verres, ça. Ah. Et dis-moi, oui. Le départ à la retraite de Bernard, vous le fêtez toutes les semaines? Tu m'as déjà raconté ça la semaine dernière en douille, va. Oh, dis ça, j'aime pas que tu me traites d'andouille. Surtout devant Simone, quand même, ça se fait pas des choses comme ça. Oh non, non, hein, Simone, non, ça non. Se fait pas. Hein, non, non, et puis d'abord, je suis sûr que tu te trompes. Parce que la semaine dernière, autant que je sache, la semaine dernière, ben, c'était l'anniversaire de qui... C'était l'anniversaire du directeur. Alors, tu vois, c'est pas la même chose. Ouais, c'est certainement ça, je me trompe. Ah oui, oui, oui. Oui. Eh bien, en attendant, tu vas aller te doucher, histoire de nettoyer l'extérieur. Pourquoi? Et pour l'intérieur, un peu de bicarbonate avec du citron fera l'affaire. Mais tu en pestes la gueule, poivre. Oh, c'est dégueulasse, ton truc. Oh, à tout à l'heure, Simone. Oui, Didier. Oh, bonne mère. Mon Dieu, il m'a l'air bien imbibé. Il emboucane, mon Dieu, je savais pas qu'une odeur d'écurie comme ça, ça existait. Oh là là là. Mais tu sais, oui, je réfléchis bien. Eh bien, j'ai le même à la maison. Un deuxième Jean-François. Sans doute un clone. Et toutes les fins de semaine, c'est le même cire, il rentre blindé. Oh. Qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Mireille? Mais dans le fond, on se plaint, mais on devrait pas. Mais non, il rentre bourré, il se couche, il dort, et nous, on n'est même pas obligé de passer à la casserole. Eh bien, parle pour toi. Ah. Parce que moi, eh bien, j'y pense à la casserole. Oh, oh, bonne merde! Et si tu crois que c'est facile, ah bah, d'accomplir son devoir conjugal avec un homme dans cet état, eh bien, je te laisse volontiers. Ah ben non, mais même pas en rêve. Oh là 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 là, même pas en rêve. Mais bon, tu sais, les hommes, ils sont tous pareils. Si tu les caresses pas un peu de temps en temps dans le sens du poil, eh ben, ils vont voir ailleurs. C'est génétique, c'est dans leur ADN. Bon, moi, là-dessus, j'y vais. Je te laisse, je repasserai demain après-midi. Et tu me raconteras ta nuit de folie. Allez. Oh, tu parles d'une nuit de folie, toi. Bye, bye. Une nuit d'Halloween, un cauchemar. Bye, bye. Allez, bon, bye, alors.
finalement, tu peux me servir ta mixture, là. Tu sais, cette espèce de chose dont tu m'as parlé. De, je crois c'est de l'eau, du bicarbonate et du citron. Ouais. Parce que je sais pas ce que j'ai, ça tourne là-dedans. Ça doit être la blanquette de veau de la cantine. Attends, père, c'est bizarre pour juste en faire de bulles. Bon, je vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Hein. T'es vraiment ma pauvre. Tiens, vois ça, Ivrogne. Et tu sais, j'en ai mais vraiment rien. Mais tu m'as rien mis dedans, alors. J'en... Oh, j'oubliais, ben. Oh, bah, quand même. Mais tu sais, Ivrogne. Hein, oui. J'en ai vraiment marre de tes fredaires avec tes soi-disant copains de bureau. Moi, je vois pas ce que tu veux dire. Eh bien, cherche et tu vas trouver. Je vois toujours pas. Je suis désolé, je vois pas. Par contre, dis-moi, ce matin. Tu vois, ce matin, j'ai essayé de te téléphoner, allez, disons trois fois. Et trois fois, hein, je suis tombé sur le répondeur du machin, là, du téléphone. Hein? Alors, tu étais où, chérie? Ce matin, pourquoi cette question? Bah, pourquoi? Eh bien, ce matin, figure-toi que j'étais chez l'esthéticienne pour me faire belle, voilà. Et alors c'était fermé. Oh, ça y va. Mais tu n'es vraiment qu'un grossier personnage. Oh, c'est fou ce que tu peux être susceptible. Et tu vas rire, mais ton QI, ouais, frise la congélation quand même. Mais ce que je te disais, tu es susceptible, ma pauvre fille. Tu attends quelqu'un? Mais non. Et puis, puisque tu ne fais rien, va donc ouvrir, toi. J'y vais. 5 minutes. J'y vais. 5 minutes. T'arrives. Oh. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur Didier, je présume. Vous présumez bien. Et excusez ma tenue, hein, parce que vous voyez, madame... Mais quelle tenue? Oh, je suis Yolande Parla, une vieille amie de Mireille. Oh, là, je m'en serais douté. Que dites-vous? Pardon? Vous n'avez pas bien oui, peut-être. Je disais que je me doutais que vous étiez une amie de Mireille, hein? Bon, mais par contre, j'ai l'impression que là, il faudrait peut-être quelque chose, parce que vous n'avez pas l'air d'entendre très bien, hein? Mais un appareil, vous voulez parler d'un appareil auditif? Oui. Mais pourquoi pas un sonotone, tant que vous y êtes? Pour moi, c'est la même chose, hein, sauf qu'un, il est comme ça, l'autre, il est dedans, hein? Alors... Et pour les lunettes, c'est pour la poussière du chantier. Ah, oui, parce que... Vous perdez votre galure. Mais non, il n'y a pas de problème. Je vais le mettre là. Oh, là. Oui. Que vous arrive-t-il, monsieur? Ben, qu'est-ce qui m'arrive? De vous voir avec des lunettes noires, ça m'inquiète. Mais pourquoi ces lunettes? Oui, mais je voudrais voir Mireille. Oui. Parce que j'ai des conseils à lui demander. Pourquoi? Mais je sais qu'elle est passée par là et j'ai besoin d'avoir des conseils pour avoir... un artisan pour refaire ma façade, voyez. Je fais des travaux dans ma maison. Oui. Ah, d'accord, ok. Moi, j'aurais pensé que la façade, voyez-vous, c'était pour autre chose. Hein, que vous étiez en chantier, en fait, voyez. Mais enfin, bon, maintenant... Et puis, vous savez, un artisan, moi, je ne voyais pas ça comme ça. Hein, pour, non. Moi, j'aurais plutôt penché pour un bon, comment dirais-je, un bon chirurgien, comment on dit déjà, en chirurgie plastique, voyez-vous. Ouais. Mais c'est comme ça que vous appelez les gens du bâtiment? Comment voulez-vous les appeler? C'est comme ça qu'on les appelle, hein. Oui, pas autrement. Oh, ben dites donc. Oui, alors je vous attends. Hein. Mais enfin, monsieur, mais je dois voir Mireille. Non, enfin, mais vous m'énervez avec Mireille. Mais Mireille, elle n'a jamais fait de chirurgie esthétique. Je le saurais tout de même, parce que je la vois de près quand même tous les jours. Comme ça, c'est comme ça que je la vois de près tous les jours. Mais pourquoi me parlez-vous de chirurgie esthétique? Oh putain, mon pauvre, elle est dans un état. Eh bien, écoutez, madame, je vous parle de chirurgie esthétique pour votre façade. Ah, bien sûr. Oh, il est sourd ou alors il est bourré. Mais vous ne pensez pas qu'un maçon serait préférable? Eh ben nous y voilà, un maçon. Mais dites, madame, c'est pas si catastrophique que ça non plus, hein.
Attendez, laissez-moi regarder. Oh, ben vous savez, il suffit de remonter, beaucoup même, le menton, on creuse un peu les pommettes, puis voilà, le tour est joué, faut pas... Hein. Mais que dites-vous? Mais quel menton? Mais quelle pommette? Et quelles oreilles? Bonjour, ma pauvre dame. Bonsoir, ma yo-yo. Elle a vraiment les oreilles engourdies, elle. Ah, mais Didier, t'aurais pu me prévenir de l'arrivée de Yolande quand même. Bon, ben je vois que vous avez fait connaissance. Ah, ça, pour faire connaissance, on a fait connaissance. C'est déjà fait. Mais je viens juste d'arriver. Ah oui. Oh, mais tu m'excuseras. Parce que je n'ai pas osé te téléphoner avant. Enfin, tu me connais, je suis tellement angoissée. Et puis, j'ai besoin de te parler rapidement d'une oui, en fait, elle a besoin d'un bon ravalement de façade. Bah, de quel ravalement s'agit-il? Mais enfin, tu comprends pas, de sa façade. Oh non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah bah, écoute, moi, c'est ce que j'ai compris. Bon, excuse-moi, madame Parlin Yolande, je me retire. Je vous laisse avec Mireille, comme ça, vous pourrez parler de votre chantier. Et je crois qu'il y a du boulot, hein. Également, ravi. Mais tout à fait, madame. Bonsoir. Oh la pauvre, elle est atteinte. Eh, hey, Mireille, mais ton mari, mais là, il n'est pas un peu bizarre en ce moment? Et pourquoi tu dis ça? Il a été aussi avec toi. Ouais, il m'a dit que je jouissais pas bien. Et qu'un chirurgien esthétique pourrait refaire ma façade alors que je lui parlais des travaux de la maison. Enfin, comme prétexte. Ouais, tu as du mal entendre ou mal comprendre. Ou alors tu as raison, c'est lui. Un reste d'alcool dans le cerveau. Oh, alors là, tu me rassures, hein. Parce que moi, je suis ni sourde, ni dingue. Dingue, non. Mais avoue quand même que tu ne captes pas toujours bien du côté gauche. Oh, mais c'est ça. Enfonce le bouchon un peu plus loin. Mais puisque je te dis qu'il m'a proposé un chirurgien esthétique pour me refaire pour me remonter, raboter le menton et remonter les pommettes, ton guignolo. Oh, les pommettes, le menton. Bon, non, hein. Ah. Hey, moi, je pencherais plutôt pour le nez. Oups, qu'est-ce que je raconte? Mais tu me fais dérailler, moi, avec ton histoire, là. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a, mon nez? Rien, rien. Juste un bon support pour les lunettes. Mais d'ailleurs, pourquoi ces lunettes semblent? Ah, ben voilà, voilà. C'est ma fête aujourd'hui. Moi qui venais pour que tu me réconfortes, que tu me remontes le moral. Moi, c'est râpé. Oh, ben, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et les lunettes noires. Oh, ben, pas si je peux t'aider. C'est pour cacher mes yeux rougis par les larmes. Oh, raconte, raconte. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de chantier? Mais tu refais l'appartement? Mais non, j'ai menti à ton mari. Oh, si c'est que ça, c'est pour bien grave. Oh, maintenant, laisse-moi finir. Mais le chantier, c'est un prétexte. Oui, j'ai un problème beaucoup plus important. Oh, ben de quoi s'agit-il? Attends, mais tu me fous les jetons. Laisse-moi finir. L'autre soir, en rangeant les affaires de mon fils, Pierre, j'ai découvert une lettre qui lui était adressée. Tu me connais, hein? Oui. Je l'ai lu un petit peu. Hein. Il y avait aussi une photo de lui nu sous la douche. Oh, et alors? Ben, continue. Et alors, et alors? Il n'était pas tout seul sous la douche. Pas seul? Oh, ben, tu veux dire avec sa copine? Mais non, pas avec sa copine. Avec un homme. Et un homme qui lui frottait le bas du dos. Le bas du dos? Oh, et certainement un copain du club de gym qui lui rendait service. Oh, ben c'est ça, mais fous-toi de ma poire maintenant, là. Est-ce que ton fils a un copain qui vient le soir le voir et en passant devant chez lui, il lui dit « Ah, ben tiens, en passant devant chez toi, j'ai pensé qu'on pourrait prendre une douche ensemble. Et puis pour te rendre service, je te refrotterai le bas du dos. » Oh, parle pas de malheur. Bon, allez, n'en fais pas un drame. Tu sais, hein, il vaut mieux qu'il soit de la jaquette que gravement malade. Les homos, c'est comme les canapés, il y en a toujours un dans chaque famille. Ça fait bien. Oh, alors là, chapeau, Mireille. Oh, tu me rassures. Oh, ça va beaucoup mieux depuis que je sais qu'il y en a un dans chaque famille. Alors, ça veut dire
dans la résidence où nous habitons, ils ont installé l'atelier Château d'Axe où Paul trenait son fa. Oh non, mais Mireille, mais bravo, hein. Mais tu veux ma mort. Et en plus, il y a un autre problème plus important. Ah, parce qu'il y a un problème plus important. Mais, eh bien, vas-y, accouche. Comment faire avaler la pilule à Alain? Oh ben ça, t'es pas obligé de lui dire. Et laisse passer les choses. Si ça se trouve, ce n'est que passager. Ou encore mieux, il est bi. Ben c'est ça, il est bi. C'est la mode. Mais tu as peut-être raison. Mais il faut que je me fasse à cette idée. Mon fils est certainement bi. Oh, il est bi. Allez, oh, donne-moi un verre pour fêter ça. Ben, tu es mon fils est bi. Mais tu ne bois jamais d'alcool. Oh, mais pour une fois, laisse-moi le plaisir de l'ivresse. Allez, au revoir. Ok. Alors, whisky Perrier, gin tonic, vodka orange. Les trois. Oh. Et sans accompagnement. Oh. Non, 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 non. Je plaisante. Ah. Juste un fond de whisky. Oui, et au fait, est-ce que tu as des nouvelles de l'au-delà de la fringuette, celle qui est dans la mode? La snob du quartier? Non. Pas depuis 3 mois, sinon 4 d'ailleurs. Mais il me semble rappeler qu'elle devait aller partir chez sa mère se reposer en Suisse. Madame, en Suisse? Oui. Oh, elle a certainement quelque chose à cacher. Ou alors, elle est partie se faire tirer. Ça ne fait que 2 fois en 30 ans. Oh, se faire tirer 2 fois en 30 ans. Alors là, c'est une blague, hein? Parce que je suis sûre que seul le TGV ne lui est pas passé dessus. Ouvre les yeux, ma yo-yo. Pascal, Eric, Thomas, Christophe et les autres, elle les a tous dévorés. Non mais tu dérailles, ma Mireille. On n'est pas sur la même ligne. Mais tu perds la boule, mais de quoi parles-tu? Bah c'est ça, traite-moi de mytho. Bah de quoi je parle, de quoi je parle? Eh ben je parle de Lola, qui est allée se faire tirer en Suisse. J'ai l'impression qu'on n'est pas fait, qu'on s'est mal comprise sur le mot tirer. Bon, en attendant, pas besoin d'aller en Suisse pour ça. On a tout ce qu'il faut au minute, nous. Ben, du moins presque, ce qu'elle n'a pas consommé. Mais que tu as l'esprit mal placé, Mireille. Mais écoute, pour moi, le mot tirer, ça veut dire lift. T'es retendu, rajeuni, tu vois, tu piges. Ce n'est pas du tout ce à quoi tu pensais. Oh, arrête, ne me dis pas que... Oh, mais bon, si, mais tu as compris, là. Amen. Oh, que je suis mauvaise langue. Mais tu sais, quand c'est bien expliqué, ben, je comprends mieux. Avec moi, il faut rentrer dans les détails. Oui, enfin, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails. Mais on en saura peut-être plus par l'intermédiaire de son amie Martine. Alors toi, tu penses qu'elle est allée en Suisse pour un ravalement total? Mais pourquoi d'autre? Elle n'est pas allée voir sa mère, parce que sa mère, elle est dans un institut spécialisé. Elle a le pâté qui colle à la boîte. Ok, j'ai compris. Si je comprends bien, elle est à la masse frappadingue. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle a de la chance, Lola, de nous avoir comme amis. Oh, on ne se permettrait jamais de la critiquer, hein, ni même de la juger, c'est sûr. Bien sûr que non, jamais. Juste la démolir. De toute façon, elle en fait tout autant de ce côté, c'est équitable. Bon, allez, c'est pas le tout, mais maintenant, il faut quand même que je prépare le repas, alors... Au revoir et à bientôt. Oh, mais c'est ça, mais mets-moi dehors comme une chienne. Non, mais quelle ingratitude. Oh là 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 là. Oh, alors là, Yolande, tu me pomplaires. Oh, je crois qu'on a assez critiqué pour la semaine, non? Alors, bye. Allez, au revoir. Bon, ok, ok. À demain. Oui, à demain. Oh, bisous. Bisous, 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 bisous. Oh là 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 là, mais quelle glue, la Yolande. Aussi collante que du papier de mouche. Mais c'est quand même une bonne copine.
Gisèle aussi. Bon, on se voit moins souvent. Mais les amis, c'est comme les morpions. C'est pas parce qu'on les voit pas tous les jours qu'on n'en a pas. Elle est partie, la siphonner. Je t'en prie, hein, ne sois pas désagréable envers mon ami. Mais qu'est-ce que tu fiches dans cette tenue? Qu'est-ce que je fiche dans cette tenue? Oh. Oh. Eh ben quoi? Je suis ton cadeau, t'as oublié? C'est ta fête aujourd'hui, ma chérie. Bonne fête, tu es contente? Eh bien, j'espère que t'as gardé le ticket de caisse. Si je veux échanger... Oh, toi, tu m'en veux, hein? Je suis sûr que tu m'en veux, là. Oh, tout ça, parce que... Pour quelques verres. Voilà, tu avoues, alors, combien? Combien quoi? Ben, combien de verres tu as bu? J'attends. Bon, je sais pas, moi, tu sais, depuis... Oh, j'ai oublié, voilà, j'ai oublié. Et puis, de toute façon, quand je rentre à la maison, à vous, je ne bois que de l'eau gazeuse. Alors? Bien sûr, pour éliminer l'alcool, poivreau. Écoute, ma chérie, aujourd'hui, fais un gros didou à toi. Mais qu'est-ce qu'il prend? Mais pousse-toi de là. Mais je vais t'arracher ce qui sert de robinet, moi. Ouh, mais c'est clair de soleil, la bougresse. Oh, mais oh, ça va. Si c'est comme ça, tu sais quoi? Eh ben, je vais aller voir ailleurs. Moi. Eh ben, vas-y, va ailleurs. Mais couvre-toi, il fait froid dehors. Oh, qu'est-ce que tu es ridicule, mon pauvre Didier, dans cette tenue. Tu sais quoi? Tu sais, eh ben moi je vais te le dire. Tu es jalouse. Voilà, tu es jalouse. Et même, tu es injuste. Voilà. Moi injuste? Oui. Eh ben mon pauvre, la justice, c'est comme la Sainte Vierge. Il nous manquait plus que la Sainte Vierge au milieu. Eh ben si tu ne la vois pas de temps en temps, le doute s'installe. Eh oui. Et là, il y a de quoi douter. Oh là là. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah, j'en étais sûr que vous étiez derrière. J'en étais sûr, j'ai vu la porte bouger. Ah, comme elle est belle, alors Mireille, on vient voir. Je veux passer voir Mireille. Oui, c'est ça. On n'a pas peur du grand méchant loup. On n'a pas peur. Oui, si je t'attrape, ça va être ta fête. Viens ici. Si tu voulais chatouiller mon lézard. Mireille, enlève-moi. Oh mon Dieu. Oh Mireille, mais qu'est-ce que tu as fait, Mireille? Mais Mireille, tu l'as tué. Mireille, on va nous arrêter. Oh. Mais non, il est juste assommé. Il respire encore. Puis dis quoi? Ben, je t'ai invité, elle vient quand même. Hein. Alors quoi? Ben, on se calme. Hein. Mais qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-là, toi? Voilà. Ah, c'est ton mari qui boit, et puis c'est moi qui trinque. Et on répond à ma question, qu'est-ce que tu viens faire à cette heure? Ah ben, quand je suis venue ce matin, j'ai oublié de te demander des nouvelles de ta sœur. Elle va bien? Oh non. Si? Je déboussole, je rêve. Et tu sais que le téléphone, ça existe. Mais tu es complètement frappadingue, ma pauvre Gisèle. Risquer un viol pour venir me demander des nouvelles de ma sœur. Alors toi, au palmarès des azimutés, ben t'es la première. Hein. Ah ben voilà, eh ben ça m'apprendra. Eh ben tu vois. Ben ça t'apprendra quoi? Prochaine fois. Ben ça t'apprendra quoi? Eh ben la prochaine fois, reste chez toi. Mmh. Allez, retourne à ta niche. Hein. Parce que comme tu peux le voir, moi j'ai du bazar à déblayer. Et pas du moindre, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Oh là là, ma tête. Qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? Oh là, mais où je suis? Oh là, pas possible. Ah, maman! Mais qu'est-ce que tu fais là, maman? Oh, c'est gentil d'être passé, maman. C'est gentil. Ah! Et qui c'est cette dame avec une poêle à la main, maman? Qu'est-ce qu'elle fait? Il déraille pas. Il est indigente. Qu'est-ce que tu as fait, Mireille? Oh là là, il n'est plus sur la bonne voie. Oh, il court-circuite, Mireille, il a fait un court-circuit. Allez, tu vas la boucler, tu vas m'aider. On l'a amené dans sa chambre. Hein? Un verre de gnôle, deux doliprane, et hop, ça ira mieux demain. Ah, bon. J'espère, hein? Et sinon, bah, c'est la fourrière. Hein? Oh, la fourrière? Mais Mireille, mais tu n'y penses pas quand même, c'est ton mari. Oh, dans la fourrière.
Mais maman, la fourrière, mais non, la fourrière, c'est pour les chiens, c'est pas pour son mari. Ah non, pas du tout. Les maris, on les met dans des maisons de retraite. Les chiens, oui, à la fourrière, mais pas les maris, maman. Non, tu dois te tromper. Oh. Alors là, c'est le bouquet. Ah bon? Il déraille pas, il court-circuite. Ouais, c'est ça, la maison de retraite. Mais bien sûr, la maison de retraite. Mais tu sais... Allez, file par là, je te prépare. Un breuvage qui va te fouetter et te faire retrouver la mémoire. Moi. Mais attends... Nous parlerons de ton ami plus tard. Mais attends, regarde. Tu trouves pas qu'elle ressemble à quelqu'un de proche, une amie à papa, hein? Et pour cause. Quoi, la cause? Allez, va te reposer, ça va ira mieux tout à l'heure avec ton breuvage, là. Allez. Elle est mignonne. Mais oui, elle est mignonne. Nous parlerons de tout à l'heure, ami. Beaucoup. Oh là là. Mais tu penses qu'il ira mieux demain? Parce que t'as quand même pas allé de main morte, hein. Le coup, là, c'était... C'est quoi cette histoire de lézard? Eh bien, écoute, franchement, le lézard, si tu sais pas ce que c'est une chanson paillarde. Oh, mais tu connais pas? Non. Eh bien, figure-toi qu'à la différence de l'homme, le lézard, lui, il est capable de sacrifier sa queue pour sauver sa vie. Eh oui! Mireille, mais avec toi, j'en apprends tous les jours. Eh bien, tu sais quoi? Si je devais mourir ce soir, eh bien, je pense que je mourrais plus intelligente. Eh bien, tu vois, c'est ça la culture. Non, c'est ça. Oh, c'est beau. Bon, eh bien, maintenant, tu vas rentrer chez toi parce que j'ai de l'ordre à mettre dans le salon. Ah, mais je peux t'aider? Je peux rester t'aider? Si. Puisque je te dis que je vais très bien m'en sortir toute seule. Non, mais. Alors, fiche-moi le camp. Non, mais t'es sûre? Allez, oust. Bon, allez. D'accord, bon. À bientôt alors, hein. Allez, à bientôt. Oui, à bientôt, c'est ça. Oh. Le sadique lubrique est au pieu, la Gisèle est partie, eh bien moi, je mérite bien un coup de remontant, tiens. Allez. Et merde, quoi encore? Allô? Allô? Ah, c'est toi, mon fils? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux demander un service? Bah, ça dépend de le service. Je suis en pleine d'eau chaude. Et j'avais proposé à Marc de passer prendre une douche à la maison avant de partir pour le match. Enfin, une façon de ne pas perdre de temps, comme je suis plus près du stade que lui, ça ne te dérange pas. Maman? Maman? Tu m'entends? Allô? Allô? Oh là là. Et voilà un canapé de plus dans la famille.